Pour présenter au journal ça, c'est moi-même, Luc Albert Boboin, mais quelques principales informations qui ont dominé l'actualité dans le journal là. Responsable dans le collectif avocat qui a défendu droit cadeau distribué le vendredi 16 juin 2023, yon plachou bay environ 500 prisonniers dans la prison civile Port-au-Prince là. Plusieurs organisations dans la société civile là, parmi eux brigade syndicale contre corruption BESAC, droit à la vie moun DVH, pour nous dire ça yo seulement ensemble organisation ça yo levé voix pour demander conseil supérieur pouvoir judiciaire CSPJ pour procéder à l'installation maître Arnel Rémy OPC était choisi comme représentant société civile là dans CSPJ. Groupe Cap Apié rapatrié à réfugié yoga annoncé diverses activités dans date 19 juin 2023 Cap Venela dans occasion journée réfugié yo parmi activités sa yo Cap gain pour fête là a gagné conférence en débat et spectacle théâtral sous question migration selon responsable gars Guillaume Sam Guillaume. Coordonnateur général et structure politique solution tout haïtien victime là, Louis Austin fait croire, il pas étonné concernant sommet CARICOM s'est organisé dans le pays Jamaïque dans date 11 jusqu'à 13 juin 2023 entre plusieurs haïtiens sous crise en pays d'Haïti. Dans ville Akaye, nèg exam cap opéré sur route nationale numéro 1 établi quartier général Lyo. Bien bonheur, je vendredi 16 juin dans le village à la Renaissance qui trouve à 1,5 km centre-ville à Kayeya. Malgré SOS population lancée, la police pour que j'aime fait apparition pour amener opération dans le village si là. Zami internautes, c'est ensemble point sa yo avec divers lots qui peuvent faire essentiel information dans 5e et dernière sortie. Journal l'attaque 509 pour jeudi vendredi 16 juin 2023. Arrêté branché Naptoune pour développement information yo. Merci à tout le monde qui a choisi de brancher la plateforme TAC 509 pour être capable d'informer dans la 5e et dernière sortie du journal. C'est là qui rêvait possible grâce à journaliste TAC 509 mélangé ensemble à tout technicien TAC 509 pour présenter au journal. Ça, c'est moi-même, Luc Albert Beaubois. Mais développement journal là en détail, j'en ai annoncé au Renan Gratitude, on a démarré journal là avec un dossier qui vient pour avec question droit moun. Responsable dans collectif avocat cap défendre droit yo cadeau distribué journée vendredi 16 juin 2023 yon plachou bay environ 500 prisonniers dans prison civile Port-au-Prince. On a parlé de pénitencier national. La GSA, c'est un geste solidarité nous fait ak prisonnier yo qui nan yon situation difficile nan plusieurs centres qui nan pays à côté prisonnier ap mouri papil ak makon à cause d'un grand goût d'après sa yon responsable organisation droit mounan, maître Arnel Rémy expliqué. Maître Arnel Rémy encourager toute l'autre juridiction yo ak l'autre organe qui dans société civile là pour faire même geste si là en écouter déclaration maître Arnel Rémy lui-même qui c'est défenseur droit mounan l'a dit plus dans micro journaliste en TAC 509. Je viens là, son plaisir pour nous, parce que nous-mêmes, au niveau cadeau, nous venons là, c'est parce que, bon, il y a ça, c'est prend, qui c'est, bah, on a mangé aujourd'hui, dans la prison, et ceci de conseil avec tous les avocats qui sont là, parce que tout avocat a contribué, c'est pas en question de, nous c'est tel, dans l'honneur, dans l'orgueil, nous tous mettons ensemble, nous faisons ça. Pour qui ça ne fait? C'est parce qu'après plusieurs constats dans les centres carcérés ou bien dans le pénitentiaire, nous voyons que les gens ne mangent pas. Ils ne mangent pas bien. Ils mangent quelque chose, mais ils ne mangent pas bien. Je dis à nous-mêmes, nous disons, ah mon cher, pourquoi ne pas prendre cette initiative en donnant une nourriture de qualité pour une journée? Parce que nous n'avons pas de cobre, nous n'avons pas de 3750 personnes manger, mais nous-mêmes, nous disons, caca, quand nous sommes proches, nous disons, bonne fête, j'ai ça. Parce que écoutez, le wapten de cas de décès dans la prison. Pour qui ça? Pour grand goût, pour chaleur, pour malnutrition, pour mauvaises conditions de détention. Attention, vous dites tout. Écoutez, contre l'État. Pour moun manger correctement, il faut 2000 gouttes par jour. 2000 à 2500 gouttes par jour. Bon manger.
un prisonnier qui a 206 gouttes. Qui mange un prisonnier pour aller manger à 206 gouttes? Qui mange de qualité à 206 gouttes? Vous comprenez? Donc je dis à nous-mêmes comme avocat, on peut cadeau à son travail extraordinaire. Parce que nous sommes au niveau des commissariats, durant les pays locaux. C'est l'avocat ça qui dans tout commissariat qui a lagué le monde. Parce que n'était-ce pas les interventions de cette structure, Dieu seul sait combien de monde qui a pris situation de détention pour un petit boulanger. Nous sommes non seulement intervention dans le commissariat d'Elman, lagué 20 monde, 26, merci. Oui, mais je dis là. Oui, justement, mais 19. Je dis là, nous disons, nous, on ne pas arrêter dans le système seulement dans le commissariat. On allait, on font un geste manger. Mais je dis là, nous décider, pour ton petit manger là, et j'en dis là, nous avons fait photo, peut-être que manger a traversé en dedans, mais par respect pour la dignité des prisonniers, nous ne sommes pas d'accord qu'on fait manger, fait photo manger. Parce que nous comprenons. Dignité humaine, si ma bataille pour respect dignité humaine, moi-même tout, mon façon, nous-mêmes au niveau cadeau, mon façon pour nous faire tout. Mais je dis là, nous espérons à travers si ça n'a pas là, si la manger n'a pas là, nous espérons que je dis un prisonnier à manger un plat qui goût. Parce que si l'État pas prend responsabilité, eh bien, prisonnier mourir pas bon et pas macon. Et nous-mêmes qui défendons le monde, nous ne parlons pas de ça. Nous-mêmes qui défendons le monde, nous avons souhaité que chaque prisonnier vive santé en prison. Si l'État n'a pas responsabilité, ou pas tant de 5 mois, nous avons mouru. Ça a gagné sida. Ça a mouru et tension, sucre, parce que vous pas mangé. Donc je dis à là, moi invité tout l'autre monde qui est dans l'autre juridiction, tout l'autre commissaire gouvernement qui est dans l'autre juridiction, pour prendre responsabilité pour faire même geste avec cadeau. Parce que cadeau sont jeunes structures d'ailleurs nouvelle, mais qui vient tant imposer déjà dans la bataille qu'il a fait. Vous comprenez? Eh bien, voilà, on a écouté déclaration Maître Arnel Rémy. Comment nous avons touché 3700 secondes? 500 plats pas suffit. Son grappe d'ail. Mais je dis à là, pour nous montrer que nous avons perpétué la bataille pour le respect de l'homme, attention, nous avons pensé au respect du droit à une nourriture de qualité. Parce que manger, attention, je vais vous anecdote. Chef prison, on connaît que manger là-bas dans la prison, là, pas de chien la caille. Je toujours mis blague ça. Même gros maman, yo poto manger que yo servi prisonnier, pas manger. Mais c'est li yo poté ba prisonnier. Mais que l'État dans tout cop cap gaspiller, cap dilapider, cop va payer perdre en bou Jamaïque là, que yo prend le bail DAP, maintenant pour DAP investi dans acheter manger ba moun yo. Dans permettre que yo manger bien. Non seulement yo pas jouir santé, non seulement pas gon dispensaire adéquat, mais yo pas bien manger. Mais je dis là, puisque il y a l'autre avocat à niveau cadeau qui a l'autre pour pas toucher, nous-mêmes comme avocat, nous continuons la bataille là, nous continuons à avancer et nous annonçons que très prochainement nous allons faire une clinique mobile. Nous allons déplacer des médecins, des infirmiers, des infirmières, venir ausculter, moi c'est moi ça, venir ausculter prisonniers pour permettre une idée de l'état. Je ne sais pas si c'est le barré, si c'est pas le barré, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Mais ce qui m'intéresse, c'est Ephraim, Zamim. C'est que je dis là, on cache ta la caille nous, on cache ta dans le bureau cadeau. On a dit non mon cher, on peut être satisfait puisque les prisonniers ont pu bénéficier d'une nourriture de qualité ce vendredi 7 juin. Parce que là où on est la grand monde le matin, il pas à gauche, il pas à droite, il pas devant le derrière et puis ça au côté balle sont manger que même chien pas manger, à ça lui fait mal. Ça doit attirer attention. Non seulement nous même dans niveau cadeau dans la bataille pour nous voir comment nous ca aider non et diminuer phénomène et diminuer population carcérale là mais nous nous pas arrêter dans question plaider tribunal seulement mais nous venons dans sens côté que pour aider pour nous manger pour nous assister et très prochainement je dis hein nous pour faire question clinique mobile là et mettre ça à parler de ça beaucoup plus. Voilà, on t'a écouté déclaration Maître Arnel Rémy. Maître Jean-Paul, lundi, un responsable collectif avocat qui a défendu l'endroit Mounio, lui-même qui critiquait conditions prisonniers à vivre dans une façon qui pas moune dans le centre carcéral
Pays d'Haïti en défenseur droit mounan déploré comportement insensible autorité yo vis-à-vis ak respect dignité moun particulièrement prisonnier yo li fait appel ak autorité yo face ak situation ça nan piro niveau l'état pour assumer responsabilité yo. An okoute maître Jean-Paul lundi kap di plus nan micro journaliste tak 509. Ça fait partie du travail cadeau toujours après. Qui s'est mandé pour que droit prisonnier yo respecté dans différents centres carcérales pays. C'est parce que on moun li en détention, on moun en prison qui veut dire li pa gen droit encore. Là nous considérer différents centres carcérales qui est dans pays, particulièrement puis grand centre carcéral là qui c'est pénitentiaire national, gain surpopulation carcérale. Nous toujours tendez cri prisonnier yo qui dénoncer conditions yo pour problème de potable. Problème manger et gen qui malade qui pas arrivé capable gen accès à soins santé prisonnier yo kon leve voyo parce que yo fait plusieurs jours yo pas recevoir et on nourriture moun qui ferme dans pénitence nationale yo tout c'est pas moun pour prince imaginez situation sécuritaire là qui a dégradé gen en pile parents qui pas arrivé capable venir là chaque jour pour porter manger pour moun yo gagnen qui nan prison et gen moun se traverser ou pas ka traverser entre sud capitale là nan nord là Canaran c'est ça fait cadeau fait le devoir ou que li fait geste ça c'est un geste de solidarité pour bay le ton pour dire ensemble d'organisation k'ap défend droit moun l'autre moun qui nan pays a fait partie de la société civile li nécessaire pour que yo pense à moun qui ferme dans pénitencier national plus de 3000 personnes cadeau a distribué jodia environ 500 plats c'est peu pour effectif moun qui en dans là dans pénitencier national mais c'est une façon pour avocat qui fait partie du collectif là montrer qui gens yo sensible au respect de la dignité de ces personnes qui sont incarcérées au pénitencier national. Jodia, il y a 500 moun qui dans pénitencier national qui pral gen possibilité pour yo manger pour yo boire jus parce que n'a pote jus pour. En façon pour nous souligner ça. C'est une bataille qui a continué. Pour mander le nouveau commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Elder pour que travail li annoncé le pral faire. Qui s'est décongestionné centre carcéral yo ou montrer que l'innécessaire pour détention préventive prolongée pour ça finir dans pays d'Haïti en pile moun qui ferme dans prison là gain qui pas paraître devant un juge gain moun qui rentre dans là pour un délit mineur quantité temps yo passé dans pénitence nationale yo ta dû fin purger peine yo malheureusement yo pas présenté devant un juge pas gagné procès yo continuer fermé derrière barreau nous pensons autorité yo doit gagner un regard sur monde qui ferme dans prison penser à nourrir yo nous comprendre budget a pas permettre que autorité yo capable nourrir prisonnier comme ça doit mais il est nécessaire pour que chaque fois pral gagner élaboration de budget national là pour penser à prisonnier dans différents centres carcérales moun n'a pas qu'à subir deux peines non seulement li privé de liberté et conditions de détention li complètement désagréable c'est ça que fait au niveau de cadeau nous toujours a fait plaidoirie ça pour que mesdames yo qui fait main dans prison capable juger et pour condition yo penser à dignité c'est ça que fait nous dit moun n'a manger pour un jour et demain et après demain situation l'a demeuré mais geste ça cadeau a fait a poser jodia c'est en façon pour attirer regard autorité yo sur prisonnier ça c'était déclaration maître Jean-Paul lundi plusieurs organisations dans société civile là parmi yo brigade syndicale contre corruption BESAC droit à la vie moun DVA pour nous dire ça yo seulement ensemble organisation ça yo levé voyo pour demander conseil supérieur pouvoir judiciaire CSPJ pour procéder à l'installation maître Arnel Rémy
OPCT choisi comme représentant société civile là dans CSPJ, coordonnateur général Bessakla Sonson Dumé et secrétaire général organisation paysan pour développement Léogane Jean Duto Dur j'ai mandé pour faire choix mettre Arnel Rémy pour occuper fonction ça dans ça ensemble organisation ça yo encourager CSPJ pour permettre homme de loi rentrer en fonction non souci pour continuer de défendre droit ça qui puis faire bio. En écouté 70 mai avec Jean Duto Dur j'ai cap dit plus dans micro collaborateur nous Jacques Smith. Et objectif conférence là c'est pour nous pratiquement mander adresser avec CSPJ par rapport avec décision que OPC prend pour te désigner représentant société civile là. Donc nous te jugé bon par rapport avec depuis les décisions ça prend pour que nous-mêmes nous demander CSPJ pour prendre responsabilité à travers la décision. Donc, j'en dis, hein, et nous avons demandé, avec, d'abord, nous avons salué l'initiative que OPCT prend pour que il soit désigné parmi trois personnes qui étaient sortis dans l'élection, qui étaient remportés l'élection. Il était fait le choix de mettre Anel Rémy pour que il pense que le choix, ça, c'est un choix qui est capable de permettre que et société civile représentée au niveau de CSPJ. Et dans ce sens, à nous autres, au niveau de l'ensemble organisation dans la société civile, là, qui gagne syndicats, qui gagne organisation droit au monde, organisation religieuse, plusieurs autres entités dans la société civile, là, nous avons estimé que son choix qui est vraiment important pour nous, côté que nous-mêmes, nous avons sorti une lettre d'appui avec décision ça pour nous féliciter le choix que OPCT fait pour que les permettre c'est Metanel Rémy qui a représenté société civile au niveau du CSPG. Et c'est dans le même sens ça, nous même encore, groupe organisation qui fait partie de l'initiative ça, nous a demandé pour que CSPJ a fait tout ça qui est possible dans le pouvoir pour faire en sorte que vous installez Metanel Rémy dans plus bref délai. Parce que et normalement, nous pensons que mettre la ligne même, il était rempli conditions pour qu'il était participé dans l'élection. Hein? Et CSPJ lui-même, dans le pouvoir parler, il était ouais, nécessité pour que se mette Anel Rémy, il était choisi. Donc nous pensons que il est nécessaire pour que l'installation soit faite, pour que mettre la ligne même commence à remplir fonction pour permettre que CSPJ fonctionne normalement. En même temps, nous ne pouvons pas passer sans que nous ne pas lancer, alors, dénoncer ou bien protester par rapport avec ça qui passait au niveau de Wanamet, côté que nous connaissons. Il y a plusieurs ouvriers qui sont victimes par rapport avec le comportement on sait des policiers côté que dans intervention yo fait au niveau du code de vie yo ta censé bastonner plusieurs on est capable dire ouvriers en même temps il y a plusieurs monde qui perdent la vie yo. Dans sens ça nous pensons que c'est un bagage qui pas respecté droit monde donc nous protester et nous dénoncer ça qui passé là. Et c'est dans sens ça n'a demandé autorité judiciaire yo, autorité force de l'ordre pour ta ouvrir une enquête pour que vous fassiez lumière sur question ça, pour que les gens qui méritent puni, les gens qui méritent sanctionner pour vous sanctionner. Donc c'est dans ce sens que nous estimons que pour nous inviter la presse, pour que nous positionnions par rapport avec l'initiative ça. Vous pensez que madame Rémy, son bail qui s'est par rapport avec, comme si son est cap bataille déjà dans ce secteur ça, le secteur droit maintenant, depuis belle lurette, et nous avons son choix éclairé tout, qui fait là, par rapport avec le choix au PCFA. C'est une raison qui fait matin, nous avons invité la presse pour nous demander CSPJ pour faire l'installation. Par exemple, si nous avons un prisonnier, parce que nous sentons que c'est un combat de bataille de la gardie de Daniel qui est dans le domaine. Là, parce que les gardes, la détention préventive prolongée qui est en bas, côté de mon infraction, le fait peut-être, il est qu'à dire, là pour exemple, on est qui font une infraction mineure. L'a fait 8, 9, 10 ans en prison. Ça veut dire, nous, ouais, situation. Les types qui ont monté pour mettre Anel Rémy, qui était toujours à bataille, qui a demandé pour respecter les droits de l'homme, nous sentons que c'est justice au PCF, elle a choisi de mettre Anel Rémy. Sous ma parole, le coordonnateur général de l'organisation Droit à la vie, moun, DVH, Johnny Silneus, voyez jeter ensemble contestation qui était faite sous choix mettre Arnel Rémy comme représentant société civile là dans CSPJ. Contestation sa yo qui pa gen aucun fondement selon dirigeant DVH là qui mandé CSPJ avancer à processus non objectif pour posséder à installation mettre Arnel Rémy dans propre fonction li.
Plus de détails à coordonnateur DVH là, Johnny Silnius, dans le micro Jacques Smith. Nous avons participé et nous prenons le processus en bien. C'est normal. Donc, puisque toujours des protagonistes qui ont toujours pensé, secteur lancé, eux-mêmes qui pour désigner, mais la loi qui créée pour désigner au monde pour aller lancer SPJ, OPC a accepté ces lois pour le service, avec pour le marché. Donc, c'est la raison pour laquelle, donc même lorsque un groupe a protesté, ce n'est pas protestation, nous, mais de préférence, nous demandons CSPJ pour appliquer la loi et pour installer Medanel Remy, parce que OPC lui-même déjà fait travail par là. Et nous féliciter encore une fois OPC qui te prend décision ça, pour te prendre temps pour te choisir. Après l'élection, on te fait pour te choisir trois mouns. C'est ça, la loi dit, on choisit trois mouns. Dans trois mouns, ça, on choisit pour OPC. OPC lui-même, il peut choisir une dans trois mouns. C'est pas une question de vote ou de fait, c'est pas une question de position de l'élection, mais c'est une question de OPC à choisir. On ne peut pas regarder qui critère lui-même, après toute démarche, il va le faire pour qui est-ce qu'elle choisit. Et nous féliciter OPC parce qu'elle fait choisir Anel Remy. Mais Anel Remy, après tout combat, il y a même Jean-Frère, on s'est parlé de détention. Et il y a d'autres choses encore. Donc, on pense que nous vivons une situation là. Côté justice, là, donc, il n'y a pas qu'à camper encore. C'est vrai déjà, clopin, mais il faut qu'on fasse façon pour l'avancer. Donc, nous demandons avec CSPJ donc, pour continuer le travail là et pour faire installation dans un bref délai possible pour nous capable et pour nous prendre machine ça en fonction au moins pour payer à capable de l'annoncer. D'après nous, qui est-ce que tu as retardé l'installation? Bon, ça va demander au PCC eux-mêmes, et pas au PCC SPJ, au PC lui-même déjà fini. C'est CSPJ qu'on a lui-même, puisque nous connaissons responsable, donc, il y a dans forum à gauche, forum à droite, peut-être, il y a temps pour faire ça, donc nous-mêmes nous demandons, pressé pour être capable de faire installation, et puis nous connaissons processus ça, partie ça, nous finissons avec lui, et puis DVH lui-même a continué à faire travail lui. Travail DVH, c'est faire formation pour éduquer le peuple, pour capable montrer le peuple qui ça qui doit assumer. Ce n'est pas seulement les gros problèmes entre la police, avec le groupe des citoyens. Ce n'est pas ça seulement doit assumer. Aller au-delà de ça nous-mêmes pour capable continuer de travailler par nous, pour capable éduquer la société. Cette déclaration, Johnny Silneus, lui-même qui est coordonnateur général, organisation droit à Clavimoun, DVH. N'a toujours été dans le même chapitre, groupe cap à pied, rapatrié, réfugié yoga, annoncé diverses activités à bien pour fête dans la date 19 juin 2023, cap vini là, dans l'occasion. Je n'ai réfugié yo parmi activités qu'ap gen pou fèt yo ap gagner conférence en débat et spectacle théâtral sous question migration d'après Sam Guillaume qui c'est responsable communication gars qui invité grand public là professionnel yo vin participer dans coquin chaîne activité ça en côté déclaration Sam Guillaume lui-même qui c'est responsable communication gars qu'ap dit plus dans micro journaliste en tac 509. Activité ça, c'est une conférence débat avec un spectacle théâtral. Débat, si la tournée autour de migration forcée en Haïti, cause, conséquences et perspectives de solutions durables. N'a pas gagné dans le cadre de conférence débat ça, trois intervenants. N'a pas gagné Laura Delza, qui est coordonnatrice protection dans OIM. N'a pas gagné Junior Rémi Mauvais, qui est chargé de liaison UNHCR. Et nous avons gagné en dernier lieu avec nous Madame Danielle Magloire. Après la conférence, nous avons gagné une prestation théâtrale. C'est un monologue avec le comédien Jacques Sander Semeus. C'est une adaptation scénique de un roman que l'écrivain Pierre-Michel Chéri écrit qui est Bébé Golgotha. C'est un roman qui mettait en évidence question voyage irrégulier dans le pays d'Haïti avec question d'identité, deux problèmes majeurs que le pays d'Haïti a confronté depuis longtemps. Nous avons invité le public là en général, étudiants, jeunes professionnels, tout le monde qui est intéressé avec question migration, capable de venir lundi à 10h du matin dans nos calongars qui chita col dans le numéro 69 rue Christoire pour partager, pour alimenter échange et garder de près problème migration dans le pays d'Haïti. Dans même occasion ça groupe cap appuyer rapatrier et réfugié gars présenter rapport mensuel yo pour moi meilleur sur activité migratoire 25459 migrants haïtiens retournés dans le pays d'Haïti 13000 là-dedans yo rapatrié 10837 en point qui pas officiel. Et l'a trié selon ce qui mentionné dans le rapport. Si la responsable communication Galan Samgui
Guillaume li fait connaître condition haïtien k'ap vive en République Dominicaine yo pa jam changé jusqu'à présent yo toujours ap subi mauvais traitement. Sam Guillaume mande autorité concernée pa bon ici pour poter assistance yo bay rapatrier sa yo. Yo l'autre fois encore nous côté responsable communication gare Guillaume nan micro journaliste TAC 509. Nous recenser un total de 25,459 migrants haïtiens qui retournent, qui pillent sol nous pour moi. Et dans 25,459 migrants haïtiens, ça y est, il y a 13,000 que yo rapatrié. Et dans 13,000 ça, il y a 10,837 que yo rapatrié dans point officiel yo et 2,550 que yo rapatrié dans point non officiel yo. N'a pas rappelé que le rapport ça li concerné exclusivement République Dominicaine. Donc 25,000 moun que nous sommes parlé tout à l'heure, c'est de 25,000 moun qui sortent en République Dominicaine qui entrent en Haïti. 13,000 moun rapatriés sa yo, c'est 13,000 moun que République Dominicaine rapatrié en Haïti. Gagné 9,261 migrants haïtiens qui retournaient pour compte yo dans pays ya. Qui t'a vivre Saint-Domingue et qui décide de rentrer pour compte par yo. Là-dedans, yo gagné 6,633 qui retournent dans le point officiel yo et gagné 2,628 qui retournent dans le point non officiel yo. Gagné 2,811 migrants haïtiens qui t'a tenté d'entrer en République Dominicaine mais qui pas arrivé à destination et que l'autorité migratoire de République Dominicaine est retourné ban nous. Gagné 1,936 là-dedans qui que yo retourné dans point officiel yo gagné 875 que yo retourné dans point non officiel yo. N'a fait connait que nous recensé pour moi meya yon total de 148 femmes enceintes, 53 là dans rapatrié, 52 c'est de retour spontané et 43 c'est des refoulés. Nous recensé tout un total de 621 ti moun qui pas accompagné avec parents yo. Là dans yo gagné 271 rapatriés, 323 retours spontanés et 37 refoulés. Au total, ça fait 25,459 migrants haïtiens qui retournent sur le sol là et qui répartis comme ça. 16,517 garçons, 6,247 femmes, 1,608 garçons et 1,087 petites filles. N'a fait connaître que la situation migrant haïtien en République Dominicaine n'a pas changé. Maltraitance que vous avez toujours connu, vous continuez à connaître, et mauvais traitement. Yo. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, nous rencontrons une pile d'images choquantes qui exprimaient, qui montraient comment les migrants haïtiens ont monté un calvaire en République Dominicaine. L'important pour gagner un focus qui fait sur la situation, hein, parce que en pile mauvaise situation à présenter, côté que femme yo en pile fois dans prison yo subi viol bon côté autorité dominicaine yo soit agent migratoire ou bien moun qui a administré ou bien géré prison yo et kit li femme kit li garçon yo subi violence physique et yo pas ba yo possibilité pour prendre document qui est important pour yo tant que l'argent yo pièce yo et tout bien que yo était capable de gagner malheureusement yo voye yo tourner en Haïti demain yo de pied yo. Eh bien nous-mêmes nan gare d'abord nous gen assistance que nous pote ba yo migrants sa yo qui retourner sous frontière et pour moi meya nous gagné 793 que nous té rivé héberger et moun sa yo nous ba yo manger nous ba yo kit hygiénique assistance psychosociale nous ba yo rad sa qui pa gen rad et ba yo moyen communication pour entrer en contact avec famille yo. Et en dernier lieu, nous avons des moyens économiques pour être capable de payer le transport et puis arriver à entrer la caillou. L'important pour que la situation des migrants haïtiens qui sont en République Dominicaine soit capable de changer, l'important pour être capable de considérer autant que le monde et respecter les droits, traiter avec respect et avec dignité, mais il encore plus important pour que l'autorité ne soit pas ici, capable de prendre le cas de monde ça yo et la seule façon de faire ça, c'est d'abord créer de bonnes conditions pour ici. Pour gagner en stabilité, gérer question insécurité, mater phénomène gang nan, créer une stabilité qui est capable propice à investissement pour que jeunes femmes avec jeunes garçons dans le pays capable joindre travail et reproduire la vie, faire projet la vie ici a sans être obligé à réfléchir qui côté dans quel pays de capable traverser pour joindre yon condition la vie côté capable faire projet la vie. Donc
Voilà, c'est une situation qui nous vraiment demandé et que un focus qui fait sur lui. D'ailleurs, il est important en urgence que l'État haïtien mette une structure sur frontière pour accueillir les migrants haïtiens qui viennent de meilleurs de pieds. Nous même nous vraiment limités par la situation. Nous faisons ça nous capables, mais nous pas capables d'aider tout le monde. Donc, il est important pour que l'État haïtien, autorité, prend conscience et prend le travail en charge. Porter assistance à Mounsao et réfléchir à comment on est capable de créer une condition de la vie par bon ici pour moun capable de vivre comme ça doit sans obliger quitter le pays pour y aller n'importe quel autre pays, n'importe quel autre. Voilà cette déclaration responsable communication gars Sam Guillaume. L'autre information dans le journal là sur ça qui vient pour avec question justice dans le pays d'Haïti, gagné président plateforme politique Victoire Fidnel Monchéri qui dénonçait directeur exécutif RNDDH la Pierre Espérance selon lui-même qui t'a gagné mêlé trempé dans planification assassinat président Jovenel Moïse dans date 7 juillet 2021 passé à ancien directeur général ministère intérieur à collectivité territoriale. Expliquer défenseur droit mounan a fait matraquage dans la presse ak nan appareil judiciaire nan objectif pour le capable laver image li nan dossier sa et pour bouye pisio yon façon pour empêcher bon jan li mè fèt sous dossier assassinat ancien président république lan qui se Jovenel Moïse. Plus détail ak Fidnel Monchéri li même qui se dirigeant parti politique Victoire l'a dit plus nan micro Jacques Smith. Pierre Espérance c'est yon nan moun qui impliqué nan planifié la mort Jovenel Moïse. Pour qui ça? Gagné plusieurs moun yo arrêté nan cadre la mort Jovenel Moïse, par exemple James Solage, Vincent, Pasteur Sanon, la guerre civile qui dit à clair que comment Pierre Espérance t'a manipulé, t'a manigancé mouvement qui conduit à la mort de Jovenel Moïse. Mais lui-même, depuis le prix qu'il y a nos bagailles, on pourrait lui mettre sous nom, sous dos, ancien directeur général de la police qui était là, le président mourir. On pourrait lui accuser la guerre civile parce que Nexao connaît à clair que M. Gain mêle dans l'assassinat de Jovenel Moïse. Pour cela, gagné trois messieurs Sao, James Solage, Vincent, Pasteur Sanon, ils ont témoigné par juge Gary Aurélien, qui commet une grosse erreur dans la ville, les dossiers dans la qui est monsieur commet? Dans l'instruction que tu as fait sur le dossier, monsieur Sao témoigne que Pierre Espérance Tebalio, toute assistance, espace local, matériel, pour yo conspirer, pour yo monter dossier assassinat Jovenel Moïse. C'est ça, il dit Gary Aurélien. Gary Aurélien, en tant que juge instructeur, pas qu'on ne sait pas peur, ou bien il était une autre motivation, il relaie Pierre Espérance. Il dit, ah, monsieur, citez non. Qui ça Pierre Espérance fait comme intelligent? Il courut monter dans la presse pour bouiller piste. Il dit, Gary Aurélien, qui sous dossier Jovenel Moïse, là, a demandé l'argent. Donc, ça, monsieur, va comprendre. Information. Toi, monsieur Saoubaï, Solaï, Vincent, Pasteur Sanon, à Gary Aurélien, qui est juge instructeur, ils ont inscrit dans un document greffier que tu prends note. Donc, ils ont retiré le juge là parce que Pierre Espérance a attaqué et qu'on s'est lié. Depuis Pierre Espérance impliqué dans le crime, on pourrait la chercher mettre bagala sous dos l'autre monde. Et pour ça, nous dit que nous-mêmes, on dit là, nous avons une deuxième requête. Côté que nous pourrons porter par juge Walter Voltaire pour nous réindexer à nouveau Pierre Espérance dans la mort Jovenel Moïse. Comment ça fait? Pierre Espérance te fait un rapport sur le massacre à Saline. En 2018, 1er janvier 2018, il voit que le rapport ça pas mal, résultat l'a cherché. Monsieur font deuxième rapport en 2019. Dans le rapport 2018, là, il met nom du plan et l'autre monde. Pas de nom Jovenel n'a aucun rapport. Dans le rapport 2019, là, il mettait nom Jovenel Moïse, il montait un dossier. Vous savez bien? Il montait un dossier, et puis ça le fait. Il a déposé plainte par le biais de l'avocat RNDDH, qui c'est Mario Beauvoir. Le fameux Mario Beauvoir de Petit Bois. Tout le monde soit ébahi ça. Il prend deux mouns, deux ou trois personnages, dit yo te boule kayo, yo te assassine famille, y a le pote plainte dans le paquet. Tout le monde connaît qui moun qui était chef paquet à l'époque. C'est Paul
Eronce Villa. Et puis, ils ont concocté un bagage. Ils ont réuni dans le bureau RNDDH. Il y a trois des autres juges qui étaient là, avec juge et Jean-Roger Noël-Sius, qui lui-même vient prendre dossier en main pour faire mandat. Comment mandat fait? Une équipe nègre qui est en tête de John Joel Joseph, qui est en tête, qui est encore commissaire, ancien commissaire, quoi des bouquets, Mario Beauvoir, qui est là-dedans deux autres nègres encore, qui était en opposition face à Jovenel Moïse, et qui était dans le massacre d'Elma 32, il y a le jeune juge là, et il fait juge à Bayo, mandat pour l'argent, que nègre dans le secteur privé qui a bail l'argent pour le Jovenel, il bail. Il promet le juge là, il a fait le quitter pays. Que PSE a fait le quitter pays, oui. Et commissaire gouvernement, il dit lui-même, il a fait ministre justice. Voilà, on t'a écouté, dirigeant parti politique Victoire, Fednel, mon chéri, dossier insécurité, brigade syndicale contre corruption, BESAC, par voie coordonnateur général Li, Sanson Dumé, condamné à assassinat qui fait sous plusieurs employés dans l'usine factory Codevine, Rouanamet, jeudi 15 juin 2023, qui se passe là, syndicaliste l'a envoyé mot sympathie, by famille, toute victime, yo, et puis demandé la police avec la justice pour arrêté et puis condamné tout le monde qui coupable dans Zakasila qui c'est une violation contre droit moun en nos côtés Sanson Dumé les mêmes qui c'est coordonnateur général BESAC l'a dit plus dans micro Jacques Smith par rapport avec Radicio yo estimé que responsable estimé que yo pas ta droit fréquenter espace là yo était intimé l'autre pour te retourner mais gain bon nous connaît persistance moun yo et puis dès lors, ils ont fait appel avec force de l'ordre, policiers, surtout les corps qui sont les polyphons. Donc, ils ont fait bastonner les gens. Donc, nous pensons que par rapport à la situation, ils ont violé les droits des gens. Et c'est dans ce sens-là, c'est ça que nous jouons comme fait. Et ils ont dit qu'il y a environ 3 à 4 personnes qui ont perdu la vie, ils ont plusieurs blessés. C'est comme ça qu'ils ont retracé les faits pour nous. Bon, yo bastonné moun yo ki yo tiré, gen moun ki atteint au niveau de tête yo et qui perdu la vie malheureusement. Et nous voyons sympathie avec condoléances by famille ça et nous mandé pour autorité judiciaire yo pour yo avec force police là et inspection générale pour yo ouvrir une enquête pour sanctionner moun ki mérite sanctionner dans cas ça. Nous connaît par rapport avec réalité qu'on ensemble de institutions, surtout institutions internationales yo même yo gen propre règlement pa yo, yo té exiger pour que moun yo même yo té habillé en l'autre façon bon moun yo même yo insister parce que était venu travail et yo pas prévoir ça ben c'est pas grand loi qui régit qui dit mais telle façon moun yo doit habiller et moun yo pas venir quand même avec bout de pantalon ou bien sandales moun yo vêtu normal yo aller pour faire travailler et puis c'est fait ça c'est ça qui arrive. C'était déclaration coordonnateur général la brigade syndicale contre corruption BESAC Sanson Dumé. Dans le dossier politique, coordonnateur général et structure politique solution tout haïtien victime là, on a parlé de Louis Austin, qui fait quoi? Il pas étonné concernant sommet CARICOM sont organisé dans le pays Jamaïque dans date 11 pour arriver 13 juin 2023 entre plusieurs haïtiens sous crise pays d'Haïti. Cependant, initiative ça papoté en yon comme solution nan problème yo dirijan savla prêché yon tête ensemble nan mitan toute force vive nation haïtienne nan qui se sel façon pour arriver mette fin à crise sous toute forme pays a fait face depuis yon bon bout de temps. Plus loin, Louis Austin fait konnen li pas possible pour élection organisée nan pays avec gouvernement en place là surtout non premier ministre de facto Dr. Ariel Henry kap cité comme yon moun qui t'a impliqué dans l'assassinat président Jovenel Moïse dans date 7 juillet 2021 passé. En écouté Louis Austin, qui est coordonnateur général et structure politique solution tout haïtien, cap dit plus dans micro Jacques Smith. Nous avons déjà connu, pas bien et des sérieux qui t'a sorti dans la rencontre qui sont fait Jamaïque là. Raison très simple, c'est parce que Haïtiens qui ont bagaille qui pas gagné dans le Chili, on va et tête ensemble. C'est l'une des raisons toujours gagne en parabole comme on l'entend toujours dit depuis la Guinée nèg et trahi nèg. C'est ça qui fait que nous pas espérer que tu as gagné une solution dans qui t'a sorti dans rencontre Jamaïque là. Et OK et bon et puis tout nous même tout nous capable dit et l'impératif
dans le moment ça là pour gagner et yon chita avec tout secteur dans la vie nationale là pour trouver une solution réelle dans la crise là parce que dans carrefour et m capable de Haïti arriver là peuple là pas capable encore OK parce que peuple là et a pas duré et en pile problème OK pays a invivable OK peuple là désolé pas capable encore faut une solution dans crise politique là en vrai d'une façon que pour peuple là capable galon souffle nous même dans parti solution haïtien victime savent faut que me dit nous et que une parole possible avec gouvernement ça qui là pour gagner élection dans pays là raison très simple pour gagner élection faut que gagne sacré et faut que problème insécurité à résoudre pour gagner élection faut gagner un consensus qui joigne avec tout acteur politique OK pour gagner élection faut que gouvernement qui là peuple inspire confiance dans lui-même journée jeudi là nous bon gouvernement et qui gagne Ariel Henry à la tête li peuple va inspirer confiance là-dedans. OK? Qui donc journée jeudi a et que nous même dans parti solution haïtien victime nous pour gagner élection en dans pays mais c'est avec un gouvernement qui pas gain mel trempé dans assassinat président Jovenel Moïse. Nous pour gagner élection avec un gouvernement tout qui pas dans corruption en dans pays qui donc un leader patriote nationaliste. Il y a un leader qui travaille pour la souveraineté de la nation haïtienne d'une façon que et pour capable prendre pouvoir dans main Pierre-Marie Henry pour mettre KIP campé faire référendum et puis pour gagner élection libre honnête crédible mais leader ça nous pour que gagner un chita avec tout secteur politique nous avons un consensus largement large et faut que ça va dans parti solution haïtien victime d'une façon que pour crise politique la résoudre et puis pour Haïti reprendre équilibre comme ça doit côté il pas pourtant essayer d'ailleurs savent c'est une parti politique qui faut parmi toute parti politique qui donc wa font bagaille sans savent parti solution haïtien victime ayon pas fait OK. C'est l'une des raisons qui fait que Mwendou doit gagner yon chita dialoguer avec tout représentant parti politique, tout secteur sans hypocrisie, franc dialogue, OK, pour gagner une solution joindre dans la crise politique là. Voilà, c'était déclaration Louis Stein lui-même qui est coordonnateur général parti politique en solution tout haïtien victime. Organisation politique Parti Libérateur Haïti pla exprimé préoccupation yo sous façon pays d'Haïti a gouverné nan dernier moment sa yo côté pays a continué à plonger nan yon crise sans pareil dirigeant yo nan restrictif politique sa dénoncé communauté internationale la qui complice nan plonger pays d'Haïti nan crise sous toute forme sa nan sans sa dirigeant yo nan restrictif politique sa encourager yon tête ensemble en toute force vive nation pour retirer Haïti dans situation liée jeune jeudi en suivant un reportage à collaborateur nous Jacques Smith. Cette organisation dans société haïtienne pas suspendant je doit bien long sous communauté internationale là qui semblait pas innocent dans situation malouk pays d'Haïti a traversé depuis un bon bout de temps. Fois ça c'est organisation politique Parti Libérateur Haïti là qui dénonce comportement suspect communauté internationale là affiché face à crise manche longue Haïti a traversé depuis plusieurs années. Roland Moïse c'est porte-parole et secteur politique là la porte plus précision. N'a dénoncé communauté internationale là cap jouer un jouette roulem de bord avec pays d'Haïti. Mais ça l'a constaté à travers de l'Ukraine, il a montré nous qui j'en pays zanmi servi avec pays zanmi. Nous-mêmes, nous sortir l'ONU, yo la Guinée-Oya, nous sortir Oya, yo font passe by Canada, yo Canada tout la colle et bien yo la Guinée qu'on est venu aujourd'hui à nommer Caricop. Yo profiter des incohérences, des incapacités,
de manque de dimension historique, leader politique nous yo que nous gagnons là yo pour capable continuer rouler nous dans farine pour continuer rouler nous debout. Face à la majorité institution important yo qui agé nous dans pays d'Haïti, porte-parole et institut politique ça Maurice Roland plaide en faveur yon état généraux pour remédier à situation ça. Et pour sa fête, c'est tout secteur dans vie nationale là qui doit mettre tête ensemble pour aboutir à l'idée ça. Roland Moïse. N'a dit tout leader conséquent, tout peuple haïtien. Crise ça nous gagne là, son crise pluridimensionnelle. Ça veut dire son crise côté que nous n'avons pas aucune institution qui existe qui a fonctionné dans le pays là. Toute institution, nous n'avons pas de faillite, toute institution crasée, démolie. Et bien pour ça, l'imande, lieu pour nous faire ça en état généraux, pour une fois, convoquer ça en état nation, pour nous chita ensemble, pour nous définir vrai problème pays, pour nous définir, pour nous joindre des solutions propices dans la situation à traverser là. Toujours selon dirigeant politique là, secteur jeunesse là doit mettre main en patte là, yon façon pour aider pays à sortir dans la situation là honte li trouver le journée jodi a. En plus, n'a lancé un vibrant appel à jeunesse haïtienne. N'a fait jeunesse haïtienne connaître tout à travers monde là, tout pays, toute révolution qui fait c'est jeune qui fait. Thomas Sankara, lorsque l'étape goumen pour te libérer Burkina Faso, c'est jeune garçon. Et Fidel Castro, Cuba, Che Guevara. Et si nous prenons Nelson Mandela pour Afrique du Sud, c'est pas l'élite fin grand monde l'étape goumen. Malgré la triée accord politique qui signait par-ci par-là, et Chita Palé qui continue à faire dans nos pays d'Haïti, soit en Haïti ou bien à l'étranger, cependant, en rien pas jamais changé dans la crise manche longue, ça a côté c'est insécurité, la richesse, grand goût chômage, pour nous dire ça yo seulement, c'est eux même qui continue à faire actualité chaque jour, mon Dieu, mette dans le pays d'Haïti. Jacques Smith, TAC 509. Na privé nan ville Akaye côté que nèg Axam ka opéré sur route nationale numéro 1 yo même ki tabli quartier général yo bien bonne journée vendredi 16 juin 2023 nan village la Renaissance ki trouvé à 1,5 km et certain ville cabaret malgré SOS population lancé by la police yo même ki poko jam fait apparition pour t'amener yon opération nan village sila pour capable délocaliser bandi sa yo plus détail ak Pascal Fleuristil depuis Villa Caye. Centre-ville cabaret risqué finalement passer en bas contrôle nèg Axam kap opéré nan niveau Canaran, Lafito, Titanien et puis sous matla. Bien bonnet vendredi 16 juin, nèg Axam sa yo tabli quartier général yo nan village La Renaissance. Tout moun konnen sou nom Villa Haiti Will ki trouvé à 1,5 km de centre-ville là. Malgré plusieurs SOS population lancé, la police poko jam fè opération pou kwape bandi yo. Malfra sa yo ki santi yo bien installé a gozam nan men yo, y ap terrorize population an et puis prend tout sa yo genyen. Devant situation sa, moun kap viv nan village lan obligé a kouy kite kayo pou pa victime zak malhonnête bandi yo ki tabli koyo sou tout route nationale là depuis 7 octobre 2022 arrondissement plongé dans insécurité totale chaque jour bandi meté bandi yo vinn pi puissant et la police montré que yo pa gen matériel pour goumen avec bandi yo ça la cause moun k'ap viv dans tout arrondissement abdormi ak yon je fermé yon je louvri parce que SMS message vocal k'ap sikile sur réseaux sociaux yo ta fait konnen projet bandi sa yo c'est rivé jusqu'à Saint-Marc. Depuis arrondissement Akaye, Pascal Fleuristil, TAC 509. N'a quitté ville Akaye pour nous capable entrer dans le département la Tibonite. Ayer dans après-midi jeudi 15 juin 2023, bandi grand griffe ça vient yo mette main dans Colette Benja ainsi connu qui s'est allié yo dans bouc ti rivière la Tibonite. Benja c'est un type qui habitué mener gang ça vient yo al voler dans zone Dofuno pour jouk rive Grand Hat. Benja fait ti groupe gang pal pour al voler dans zone Grand Hat à Kanrobouk et puis la guerre accusation sur le nèg grand griffio. Face à situation ça, les grand griffio yo même quitté en colère, yo al prend Benja à qui on zame créole nan mel pour bay rapport sur tout ça qu'on fait comme mauvais acte dans communauté a sous non yo qui donc Benja pat suspend prend plusieurs patasuel en bas mais membre gang ça vient yo Désir Venesse
depuis Thierrivière la Tibonite a banon plus détail dans yon circuit sous dossier ça. Lul résistance à coalition soldats paysans dans la Tibonite chaque jour abgoumé pour créer plus confiance dans mitan population en pile monde qui était abandonné commune Liancourt à commune Verrette qui t'a prend humiliation dans ville Saint-Marc pour qu'on y a tant mais retourner la caillou suite à dispositif cellule résistance à coalition déjà prend pour permettre libre circulation à fonctionnement business yo dans commune Liancourt à commune Verrette sans crainte sans peur. Responsable cellule résistance à coalition en fait quoi yo prend toute disposition pour empêcher bandi sa vient yo sorti si yo sorti c'est sous quoi maman à quoi papa yo y a vinn monter y a ba yo ça yo mérité. Journée hier cellule résistance chandelle te mobilisé plus passé 300 moun yo te rivé dans localité Morodoué toujours dans commune Liancourt côté bandi Tigriff à grand griff yo kon sorti pour vinn braquer à kidnapper détourner camion marchandise yo couper tout rager et même mettre du feu là-dedans dans l'idée pour effacer tout espace côté bandi yo ka caché. Dans même moment population dans Morodoué te longe douette sous Jean Ronald petit homme yo fait quoi c'était éclairé en pile monde relé antenne qui conservi Morissette alias Isolant chef Tigriff là pour vinn kidnapper moun cap passé sous tronçon route Mibalea pour connier Jean Ronald petit homme déjà men en cours avec Audma qui te joine approbation tonton baron. Dans Thierrivière la Tibonite, bandi bas gangrifio mette main sou yon allié yo qui te kont mené ou al kase kay ak piye business moun nan boukla monsieur rele Benja ainsi koni yo fè kwè Benja moute rezo gang pal ak yon zam kriol kèl genyen nan brake ak kidnapé moun et tout chay yo tombe sou non gangrif. Pour ça yo te maril yo descend nan bas ak li yo présenté tan kou la police a présenté présumé yo à travers la police bandi yo même yo fè allo bandi vidéo a tourner en boucle à travers réseau yo côté Benja a dépalé ça pas fait cas pour bandi grand griffio yo tabali boakale selon toute dernière information yo moi c'est Désir Venesse Thierrivière la Tibonite cité Crête à Pierrot tac 509 dans une note pour la presse qui publié jeudi 15 juin 2023 compagnie développement industriel Colévi annoncé li suspendre temporairement opération Lio pendant annoncé administration lui-même l'ouvrir une enquête sous incident qui passé jeudi 15 juin côté trois monde perdit la vie au correspondant nous dans département nord-est la Chinoroseni a dit nous plus détail dans un papier. Compagnie industrielle Codevi annoncé li suspendre temporaire opération Lio après incident qui était enregistré jeudi 15 juin 2023 qui était la cause la mort trois travailleurs dans parc industriel Codevi. Compagnie annoncé yo suspendre temporaire opération Lio, li insisté yo enquête a mené dans note pour la presse qui publié jeudi 15 juin 2023. Compagnie développement industriel Codevi qui trouvait dans commune Wanamet au niveau département de cela dit li regrette pour le faire population connaît raison qui fait affrontement qui t'est gagné entre agent police nationale d'Haïti à quand employé PAC là dans date 15 juin jusqu'à présent était inconnu. En plus de ça Code Vie fait connaît une enquête a fait dans niveau administration qui pas participer dans événement yo li fait connaît li déjà évacué tout personnel compagnon toute opération yo suspend temporairement jusqu'à ce que événement clarifié dans note pour la presse. Si là Code Vie pas faire aucune mention des implications agent sécurité yo d'après ça le dit c'était en discussion entre agent sécurité Code Vie à travailler qui était la cause incident ça yo côté trois monde a perdu la vie yo deux mouri avec balle dans tête yo l'autre mouri tout fait à gaz lacrymogène force de t'a tiré compagnon dit li kembe engagement pour protéger et sécuriser employé yo pendant li promettre pour supporter tout monde qui affecté dans incident dans sa yo Code Vie pas faire aucune mention des travailleurs qui mouri dans l'institution même et syndicalistes dénoncer et puis déplorer banalisation la vie travailleurs yo. Depuis commune Wanamet département Nord-Est pays d'Haïti Chenon Rosny pour tac 509. C'est dans département sud pays a n'a mettez bout dans journal là président association magistrat yo dans sud am sud Fritznel chéri dans yon ti causé avec la presse libat bravo. La contentement pour réussite 2 mois et demi formation qui t'est réalisé pour magistrat avec Cadmerio 40 jeunes universitaires dans le sud t'est recevoir formation
sous fonction territoriale là. Toutefois, yo ta vle rentrer dans administration communale là, y a déjà gagné. Yon l'idée à partir de ça que yo apprend dans formation sila selon magistrat Frisnel Chéri qui annonçait présence yon délégation qui était sorti dans ministère intérieur ak patne yo qui s'est pas codé qui te permettre formation sila te réaliser dans université publique au Kaila qui c'est UPSAC ak yon gros patne pour Am Sud. En nous écouter magistrat Frisnel Chéri qui a dit plus dans micro correspondant à 609, Jean-Vanel Soliman depuis Vilokay. Alors ça c'est première phase rencontre formation qui était faite dans l'hôpital. Actuellement on a parlé avec vous là, nous avons eu ça. Nous t'es venu recevoir délégation ministère de l'Intérieur avec Pagode qui c'est partenaire nous qui t'es nous possibilité pour nous te permettre et quatre cadres parmi nous pour formation avec toute magistrat dans le département. Pour une formation sur gestion territoriale, comment ils sont capables de gérer le territoire plus bien. Donc je dis à me sentir moi-même fier et me satisfait. Me satisfait parce que me senti formation les traverser magistrat, les traverser cadre mairie. Et des témoignages qui commençaient bas côté que cadre yo senti yo vinn plus performant, yo vinn permettre, yo vinn plus maîtriser job qui yo la donne. Donc nous-mêmes qui ça nous-mêmes Am Sud nous baï tête nos missions. C'est former jeunes qui finissent dans l'université yo, pour être capables de maîtriser la fonction publique territoriale, la salier. Parce que, en plus, jeunes, des fois, ils finissent dans l'université, ils ne connaissent pas combien d'attributions au magistrat gagne. Ils ne peuvent pas maîtriser. Donc, c'est ça que fait aujourd'hui. Il y a un pile témoignage qui baille, côté nous gagnons plusieurs jeunes. Alors, il faut nous appuyer à tes jeunes, bon côté Pagode, qui te ban nos possibilités. Pour nous capables de jouer une restauration, pour nous être capables de nous goûter. Et puis, nous gagnons une délégation ministère qui vient travailler avec le comité association sur problématique qui gagne au niveau collectivité dans le sud. Donc, nous avons plus de recommandations que nous-mêmes nous sommes faire déjà. Et faut nous dire, nous ne pouvons pas écarter, nous n'avons pas les chaque jour pour nous dire, UPSAC à travers le terre, Jules Edouard, c'est un meilleur partenaire nous. Immédiatement qui au moins toujours a supporté nous au niveau formation parce que Am Sud pas cap des moyens pour lui faire formation pour tout magistrat ça yo tout cadre ça yo n'était-ce pas accompagnement Pagode bay avec ministère de l'intérieur ça pas suffit pour permettre au moins nous bay magistrat cadre yo 2 mois et demi formation. Donc moi-même très ouvert ça fait tout partenaire qui travaille avec nous yo nous travaille en transparence en collaboration yo tout satisfait des résultats que nous bail. Ça veut dire travail là pour finir, faut du travail là fait carré continuer parce que normalement après formation ça nous fait je dis a gain en pile cardio qui témoigne yo dit est-ce que yo t'en endormi parce que yo pas jamais connaît rôle magistrat si c'était ça. Donc n'a continuer faire travail ça au contraire nous gain un projet nous va monter là pour nous capable chita partenaire nous pour nous garder dans chaque commune nous t'es capable à faire formation pour jeunes, eux-mêmes qui t'avaient vu le magistrat, au moins à maîtriser fonction publique territoriale là, qui s'allie là-dedans. Donc, je suis content, je dis, et je continue de travailler, et je viens de sentir travail, moi, pas en vain, et moi, j'ai des certificats, nous pourrons le décerner à Mounsaïo, et puis tout, nous avons des certificats, nous pourrons le bailler pour Moun, pour 4 mairies avec magistrat qui prend formation pendant 2 mois et demi, et nous avons des certificats, nous pourrons le bailler pour jeunes. Qui pas magistrat, qui pas cadre, mais qui au moins ta connaît et fonction territoriale là, qui s'allie à, y a tout pas un certificat. Donc, c'est là nous mettons un bout à la 5e et dernière sortie, journal TAC 509 pour jeudi, vendredi 16 juin 2023. Nous remercions tout le monde qui t'a choisi brancher plateforme là pour être capable de suivre journal TAC 509 sorti lundi pour arriver vendredi. Journal Sayo qui arrive possible grâce à journaliste TAC 509 à l'équipe technique. Lio, pour te présenter au journal ça, c'est moi-même, Luc Albert Beaubrun. Bye bye tout le monde, bon week-end, nous espérons rejoindre nous semaine qui va venir sur plateforme TAC 509 là.